Nichée à 1000 mètres d'altitude, au cœur des Hautes-Alpes et du parc national des Écrins, l'Argentière-la-Bessée est une petite ville de 2300 âmes. Dans cette ancienne cité ouvrière et minière, le club de football local occupe une place centrale depuis sa création en 1942. De génération en génération, il a su conserver sa réputation comme l'un des meilleurs du département. Aujourd'hui, l'équipe U20 vient de franchir un nouveau cap en accédant pour la première fois de son histoire au niveau régional 1, alors qu'elle évoluait encore en district il y a seulement 3 ans. Une ascension fulgurante qui en fait la meilleure équipe U20 des Hautes-Alpes et des Alpes de Haute-Provence, devant de grosses structures comme Gap, Sisteron ou encore Manosque. J'avais un projet sportif sur 5-6 ans de monter en Ligue Méditerranée, en Régional 2. On l'a fait en 3 ans et demi, c'est que du bonheur, voilà. Ce bond en avant met en lumière un choix fort, courageux et solidaire. Accueillir des jeunes exilés dans l'effectif. Étant située à seulement 30 km de la frontière italienne, la petite ville se retrouve en première ligne face à la crise migratoire que connaît l'Europe. En 2015, alors que Lucenbic entraîne les U16 District, l'entraîneur se retrouve avec un effectif très réduit. Un de ses joueurs, Zakaria, lui parle alors de jeunes Guinéens talentueux avec qui il joue au foot au gymnase de Briançon. Lucenbic décide de faire passer des essais à ses jeunes. Le coach est séduit, le président du club valide la décision et affronte les démarches administratives longues et difficiles. Alpha et Malik intègrent l'équipe. 5 autres recrues originaires de Guinée suivront un peu plus tard. C'est des bosseurs, c'est pas des feignants, c'est pas... Voilà, moi j'aime cette mentalité-là. Tout le monde a le droit à une chance, tout le monde. Eux, ils l'ont eu, ils l'ont saisi, ils sont là maintenant, hein. Ils jouent en Ligue. Hein. C'est pas donné à tout le monde de jouer en Ligue. Hein. Dès qu'on les a vus, on s'est dit, ils sont tapés à la porte, on leur a ouvert la porte, et puis on leur donne toutes les chances qu'ils peuvent avoir. C'est quelque chose d'extraordinaire pour nous. Vous savez, des gamins qui ont traversé une dure épreuve comme ça, ils arrivent là, c'est royal. Bon, après, chacun a son opinion à ce niveau-là, mais moi, mon opinion, elle est là. Vu que le football c'est ma passion, du coup je me suis dit tout de suite il faut que je trouve un club. J'ai décidé d'aller à l'Argentière grâce à Chico Zakaria. Nous on est arrivé au début avec Malik, c'était deux Africains qui sont arrivés dans l'équipe avec que des Français. Et du coup le fait de les fréquenter tous les jours, c'est ce qui a fait qu'on s'est bien intégré à la société française. Bah, c'est un parcours un peu compliqué hein, comme vous savez déjà. On a trouvé une équipe magnifique. Ils étaient gentils, ils nous ont bien accueillis. Si au milieu offensif, un peu N'Golo Kanté ou Paul Pogba, oui. J'essaye d'avoir 3 poumons. C'est des joueurs qui sont quand même déterminés. Lorsqu'ils sont arrivés, on les a intégrés au groupe directement. Ils ont su s'intégrer. Ils ont toujours été présents. Il n'y a jamais eu de problème. Terminant seconde du championnat de district U16, l'équipe rate de peu la montée pour sa première saison. L'année suivante sera la bonne, il décroche la première place en district U19 et accède ainsi au niveau régional 2 en U20. Une saison leur suffira pour être sacré champion et accéder au niveau régional 1, meilleure division de leur catégorie. Au fil des années, 5 de ces jeunes gagnent leur place dans le 11 titulaire, une nouvelle dynamique dans le groupe qui enregistre alors une rapide progression. Les immigrants qui sont arrivés de la Guinée, ils nous les ont fait augmenter, progresser, mais que ce soit mentalement, physiquement, techniquement. Ils ont amené cet esprit d'équipe, justement, la fraternité, pour ainsi dire, un peu de leur truc de là-bas. De base, c'était un petit club de district, puis ils ont recruté des joueurs et petit à petit, on est monté. Ils ont porté l'équipe vers le haut, du coup, tout le monde a voulu bien jouer et puis voilà. On est une famille. L'Argentière, c'est une famille. Ça veut dire toi, tu peux arriver demain et tu vas rester 2-3 jours, tu vas voir que voilà, on est comme une famille. On est tous soudés, sur le terrain comme on dort, partout. Notre premier point fort, c'est pas le jeu, c'est les liens qu'on a entre nous. L'Argentière, c'est la famille, je suis très content. Je suis très content d'être là. Et bien moi, je donnerai tout pour l'Argentière, Inch'Allah. L'Argentière Sport, les Écrins, on est une famille. Voilà, c'est vraiment le mot. Tous les week-ends, l'équipe O-Alpine affronte les meilleures formations de la région PACA. Elle évolue au même niveau que des clubs tels que Istres, l'AS Cannes, le SMUC, le Sporting Toulon ou encore Marseille Andoum. Et l'objectif est clair, aller le plus haut possible. Entre la première, deuxième, troisième place et bien sûr d'aller titiller un peu les grands en bas.
Outre le sportif, le président et le coach ont déjà réussi leur pari, permettre l'accès au foot à ces jeunes qui ont parcouru des milliers de kilomètres pour fuir leur pays. À l'Argentière, dans cette cité historiquement cosmopolite, ils ont sans doute trouvé leur place, un refuge à la hauteur de ce qu'ils méritent.